G-Rugby avec Grenoble Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'est G-Rugby, le magazine dédié aux amoureux du FCG et du ballon ovale en général. Merci à tous de votre fidélité depuis 10 ans déjà. Alors c'était Terre de Rugby et puis Esprit Rugby, cette année G-Rugby. C'est parti pour durer. Et sur le plateau, il y a déjà 10 ans, une figure du rugby et du FCG aussi. Il était là, il est là, ici avec nous aujourd'hui. Romain Magellan, bonsoir. Bonsoir, mercredi, j'ai... Rugby, c'est ça. Bravo. Et c'est fait exprès, c'est écrit dessus. Merci beaucoup de ta fidélité, vraiment. Toi qui étais donc parmi les premiers invités de notre première émission Terre de Rugby à l'époque, avec Muriel, mon ami à qui je pense très, très souvent. Et eh bien, merci beaucoup. On est très transparent. Donc, tu animes la cérémonie des caps. Nous enregistrons donc cette émission ce mardi avant la cérémonie. Nous verrons des images tout à l'heure. Merci à toi. Et celui qui prend son envol, car il lui pousse des ailes, normal. Ange, bienvenue. Merci. C'est là, on te l'a fait plusieurs fois par semaine, celle-ci? Non, ouais, de temps en temps. Régulièrement. Régulièrement. Et en plus, merci beaucoup. Aussi, belle tête d'ange, et puis vous allez voir, il y en a là-dedans. On va vite comprendre. Ange Capuzzo, Capuzzo, c'est ça? Capuzzo, parfait. Allez, parfait. Ah, on prononce à la française. Ouais, ouais. Après, ça va être trop compliqué en italien, etc. C'est non, bien. En français, ça c'est va, bien. Mais... En tout cas, on est ravis de t'avoir ici, International U20, et également une des révélations de cette saison à l'arrière. International avec l'Italie, on est d'accord. Avec l'Italie, avec l'Italie. Ouais. Absolument. Avec l'Italie. Absolument, mais sans l'accent, on a dit, pour l'instant. Et sans accent non plus, Mathias. Bonsoir. Bonsoir, Lucille. Il est espagnol, ce garçon. Ouais. Et sa moustache, on en parle ou pas? Ben, c'est Movember. Non, mais je voulais savoir si c'était pour Movember ou si t'avais la j'ai moustache. J'ai essayé de la faire aussi. Je ne te connais pas. Avec Ange aussi. Ah. Ça fait un petit mois que j'ai essayé de la faire pousser. Ah, d'accord. Pas sortir. Écoute, après 10 années de FCG, on pourra peut-être te voir avec la moustache, du coup. Voilà. Et avec aussi, alors là, c'est pas le Movember, mais non. C'est le Cidaction. Exactement. Voilà. Il n'y a pas longtemps, on le garde. Tout à fait. Journée internationale de lutte contre le VIH, c'est le 1er décembre. Merci à vous d'être là. Allez, tout de suite, on retourne sur le terrain d'abord pour vous parler de ce FCG donc, qui perd la tête, Ange, à Perpignan. Perd la tête pas complètement, on a vu quand même des jolies choses quand même aussi dans ce match-là. Mais à la fin, c'est l'USAP qui gagne et c'est le FCG qui repart sans bonus. C'est la deuxième fois de la saison que vous n'avez pas de bonus. Pas plus abattu que ça, il faut retenir ce qu'il y a de bon. Non, ça a été un match très, très disputé et très dur, très rude. Mais pas plus abattu parce qu'on a mis le courage nécessaire pour essayer de résister à cette équipe. Après, voilà, devant leur public, dans leur stade, ils ont été meilleurs que nous sur certains points, notamment en conquête, là on le voit. Mm-hmm. Mais bon. C'est ça, heureusement que t'as pas de pilier avec toi. Ouais, c'est vrai. Mais... mais un bel essai de. Pas tellement de regrets. Après, c'est sûr que partir avec 0 points, de toute façon, on n'est jamais content de partir avec 0 points. Hein. Oui. C'est pas facile à Perpignan, on le dit toujours aussi. On a un bel essai d'Enzo Selponi ici. Et puis trop d'indiscipline quand même. Finalement, oui, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, après, voilà, on a eu le ballon, je crois, 25% du temps, donc ce qui est très peu. Et forcément, quand on n'a pas beaucoup le ballon, on se met à la faute parce que l'équipe nous met sous pression. Donc ça a été compliqué de résister tout le match. On a bien fait une grande partie du match quand même, parce qu'on a défendu notre ligne sans prendre de points un paquet de temps. Mais bon. Puis on a vu aussi ce plaquage de Corentin Glénat qui ça. A empêché ce petit... Il s'est fait tirer les oreilles le 15 de Perpignan sur cette action. Ouais. Ah bah oui. Ça arrive à tout le monde. Hein. C'est une question de centimètres tout ça. Mathias, on a ressorti un petit souvenir quand on a vu cet essai d'Enzo Selponi. Alors voilà, on a fait un petit montage. Regardez, la finale de l'année dernière... Et ce match-là, il a marqué le même. Alors, on ne sait pas si c'était exactement le même... Je ne suis pas sûr que ce soit du même côté des poteaux. C'est peut-être pas le même côté, c'est peut-être en face. Mais en tout cas, c'est fou, c'est le même. Hein. Vraiment, une mêlée. Ils étaient surpris, les Perpignanais, du coup. Ah bah, ils auraient dû le savoir. En effet, ils auraient dû le savoir. C'est peut-être un arrangement.
On ne sait pas. Oh pas ah ouais, c'est vrai, comme il savait. On ne sait pas tout, on ne veut pas tout savoir. Non, non, en tout cas, super essai, Enzo, vraiment, bravo à toi. On regarde les tableaux, quand même, un petit coup d'œil. Donc, on voit cette défaite qui, finalement, s'est soldée a fini par ce score de 20 à 13 en faveur de Perpignan. Et c'est Oyonnax qui prend la tête après sa victoire sur Angoulême en déplacement. Oyonnax qui arrive début décembre hein, d'ailleurs au Stade des Alpes et qui a l'air en forme. La belle victoire aussi de Pont-de-Marsan sur Béziers. Colomiers sur Aurillac, wow, hein, 45-11. Et une belle victoire aussi, 34-24 de Nevers sur Rouen. Et la course est stoppée d'ailleurs du VRDR qui a reperdu face à Vannes 16-21. Le VRDR qui s'était bien relancé. Alors du coup, oui, vous perdez la tête pour pas grand-chose finalement, pour 3 points. On a dit que ce n'était pas forcément l'objectif de prendre la tête et de la garder. Pour l'instant, ça ne change rien. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête. On ne la perd pas, on ne se la prend pas. Non, il ne faut pas se prendre la tête. Maintenant, on a 3 matchs là avant Noël, avant la trêve. Et le but du jeu, quand même, ça serait de partir en vacances de Noël en étant premier. C'est tout à fait faisable, parce qu'en plus, on rencontre Oyonnax pour le dernier match avant Noël. Donc non, l'objectif, ça serait quand même une première place là, pour Noël. Ça serait bien. Aider aussi à se remobiliser aussi, de perdre la tête et de voir les autres revenir derrière, ça peut aussi... On ne sait jamais trop si c'est bien d'être poursuivi ou d'être poursuivant. Non. Si, c'est ça. Mais je ne corrige pas tes syntaxes de français. J'étais en train de réfléchir. Vaut mieux être poursuivi pour ça. Non, mais je te suis. On peut faire. Ouais, je te suis. Faut être premier, point. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, ça peut très vite changer. Il faut gagner à la fin. Aussi, exactement. Surtout dans cette formule. Et puis, ça serait un beau cadeau pour les supporters de Grenoble. Tu parlais de Noël, le dernier match. Pour vous, c'est vrai, partir. À la maison comme ça, en étant premier, en tout cas, tu bosses mieux, tu es plus serein, c'est plus sympa pour les entraînements, les coachs. Il y a Rouen avant. Il y a Rouen, prochain match à domicile. On reçoit Rouen et on va à Biarritz. Mm-hmm. Et ça va être aussi deux matchs qu'il ne faut pas oublier. On parle d'Oyonnax, mais il faudra aussi gagner à Biarritz, il faudra gagner Rouen notamment. Mm-hmm. Voilà. Tout à fait. Messieurs, vous vous connaissez ? Oui, hein, un petit peu. Parce que ça ne se voit pas forcément ici, vous n'avez pas nécessairement le... Non, et bien presque, il est là ton fils, il est là Thibaut, en bleu. Là, voilà, peut-être que j'aime. Voir. Mais non, allez, bon, enfin, on ne sait pas, on sait même pas qui est qui. Attends, bien dans le micro. Romain vient nous montrer le jeune homme qui est ici tout à fait à droite. Ah oui, c'était à l'intersaison, vous entraîniez pour avoir un peu de cardio. Il y a Kylian aussi, on voit. Ouais, Kylian, et il m'avait dit, viens, on s'entraîne au foot en salle, c'est ça ? Ouais, c'était un soccer fight déchiré. Et j'ai explosé au bout de 2 secondes, ils étaient affûtés comme des lames, et là, on le voit, je suis en surpoids, On dirait vraiment pas. Oui, non, il est là, ton fils, en bleu, juste là, derrière toi, Thibaut. En fait, je connais Ange, parce que Thibaut... Et Ange jouait dans la même équipe, joue encore. Bon, Ange est passé au niveau supérieur, et tant mieux, et c'est beau, parce que c'est vrai, je discutais avec Thibaut, il me dit non, mais Ange, c'est mérité, c'est quelqu'un qui travaille, et donc c'est vrai que dans une carrière, il faut avoir un peu de chance, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut être prêt au bon moment, et Ange, il a compris assez tôt qu'il fallait bosser et se donner les moyens de réussir, et puis c'est bien. Je suis fier de toi. Merci. Absolument. Un grand bosseur, bien, très motivé, plein de... Pour Grenoble, pareil, j'en parlais, c'est que... Alors attends juste, Thibaut, vas-y. Il joue samedi. Donc Thibaut, il va être motivé. Thibaut, donne mon fils. Tout le meilleur. Thibaut, ton fils. Pas Thibaut, que j'en fasse trop. Il joue avec les Espoirs, samedi, à l'Ediger. Contre La Rochelle, qui sont premiers. Les Espoirs sont pas mal. Ils ont pris une petite fessée à Bayonne. Ça va les remettre un petit peu en selle, comme tu disais tout à l'heure. Et là, je crois que c'est un gros, gros match. Et j'espère qu'ils vont gagner, parce que c'est important. À quelle heure pour les supporters? Il me semble que c'est 15h. Moi, je dirais 15h, mais je ne sais pas. Si, il me semble qu'on attend 96 000 personnes. Ouais, c'est au stade Lediger, il y aura la queue sur tout le cours de la Libération, c'est fou. Donc, voilà. Et donc, la suite par rapport à Ange, on disait que c'est un garçon qui se donne les moyens, qui travaille dur. C'est pas facile, toujours, de travailler. Mais comme on dit, dans chaque émission, le travail paye. Il paye un peu vite. Tu as réalisé ton rêve. Cette année, jouer dans le Stade des Alpes, déjà, pour toi, c'était une consécration presque déjà.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Là, il y a le match d'Angoulême qui est la première, donc exceptionnel, effectivement, de pouvoir jouer avec, avec Grenoble. Mais par contre, c'est sûr que ben, ça a une saveur particulière de... Ouais, là, je pensais vraiment que j'allais marquer, là. j'ai pas entendu le petit fil d'arbitre. C'est pas grave. T'as eu le focus de... Le focus. J'ai quand même aplati au cas où, parce que j'ai pas entendu, mais bon. Non, mais par contre, d'avoir pu jouer au Stade des Alpes, ben, c'était magnifique, parce que il y a... Peu de temps en arrière, je venais voir les autres jouer. Je m'imaginais pas du tout pouvoir jouer dessus. Et puis, ben, toute la famille, les amis, je vais pas sortir le blabla habituel, hein, mais non, voilà, c'est. Bah, c'est une première. C'était un rêve, hein, tout simplement. C'était franchement. Un rêve. Tu l'avais peut-être pas pensé ou imaginé si tôt, mais c'était un rêve quand même. C'était un objectif. Non, c'était un vrai objectif. Ouais. Et je pense que c'est important. C'est important. D'ailleurs, je l'ai marqué un paquet de fois sur des papiers, des fois. C'est vrai. Depuis, ouais, ça fait quelques années. Ben, quand tu rêves de quelque chose, après, pour te motiver aussi, tu as besoin de te prouver à toi-même que c'est possible. Tu marques sur des papiers des choses. Et des fois, quand je relis aussi des choses il y a 3-4 ans, je me dis, ah, ça y est. Ça arrive. J'ai une question, moi, justement. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes espoirs de Grenoble, mais même de la France entière, toi qui viens de percer, et je te souhaite encore une longue carrière, qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que c'est vrai, on parle souvent du fossé qui est entre l'espoir et la première. Certains n'intègrent pas des jeunes. Avant qu'un jeune joue en première, il y a 3 étrangers qui sont là ou quoi. Quel message tu aurais envie de leur donner? Ben, déjà d'y croire, parce que on traverse tous des moments où ben des fois on n'a plus trop envie d'y aller parce que c'est compliqué, parce qu'on joue moins, parce qu'on se blesse ou parce qu'on se sent pas forcément bien dans un groupe. Après, ça peut très vite changer, et moi surtout ce que je conseillerais, c'est d'être prêt tout le temps. Et ben, pas forcément que ce soit pour le niveau pro, mais même dans les équipes de jeunes, ben, c'est d'être prêt à jouer, d'être prêt pour le groupe, d'être prêt physiquement. Et je pense honnêtement que quand on se donne justement les moyens, que c'est pas une vérité absolue, hein, je pense pas, hein, mais en tout cas, il y a moyen de y arriver, et il faut juste être prêt au bon moment. Et donc bosser pour être prêt. Bosser, c'est ça. Et puis malgré tout, aujourd'hui, c'est un sport quand même professionnel qui est exigeant. Le matin, c'est dur, il faut soulever de la fonte, mais il ne faut jamais oublier son objectif et ce pourquoi vous faites ça. Mais c'est dur d'aller bosser dans tous les... Dans ceux qui se lèvent à 7 heures pour aller à l'usine. Ou c'est dur pour tout le monde. Hein. Oui, c'est nous, je dis nous, je me mets dedans, on est privilégiés. Oui, carrément. Carrément, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on fait un sport. Enfin, c'est un sport. Tu gagnes gamme d'oseille, il faut le dire, là. Il faut aimer soulever de la fonte. Non, mais par contre... Parce que c'est... C'est pas ce qu'on voit toujours aussi, non, c'est tout ce travail de muscu, ce travail du détail, c'est 5 heures d'entraînement par jour. C'est possible, on en discutait tout à l'heure, on sacralise un peu ce milieu-là, mais honnêtement, je pense que c'est atteignable, c'est accessible, et si on se donne les moyens, je vois pas de raison pour pas atteindre. Tu dis 5 heures d'entraînement par jour, oui, ça c'est l'entraînement, et c'est tous les sacrifices à leur âge. Regarde, 20 ans, belle gueule, il a tous les week-ends des mecs qui l'appellent, on fait les 18 ans, on fait les 20 ans, machin, faire des bringues et tout, et boire des bols. Et ben, il dit non, moi j'ai entraînement, non, moi j'ai un match. Et ça, c'est des sacrifices. Mm-hmm. C'est peut-être même plus dur que d'aller faire une heure de muscu. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. C'est pas de bière dans la semaine, une au pire. C'est exactement ça. Non, mais après, je pense que c'est l'hygiène de vie, mais au niveau global. Comme je disais tout à l'heure, ben, après un match, on boit des coups, machin, même ça arrive dans la semaine. Mais il faut être sérieux, en fait, sur tout le long. Et c'est toutes les petites choses qu'on met autour de l'entraînement. J'ai envie de dire justement que c'est le plus facile justement de faire une heure de muscu, de faire les entraînements. Le plus dur, c'est de s'alimenter comme il faut. Un quart d'heure avant la séance ou de finir de faire son étirement, de mettre de la glace quand on a un peu mal. C'est tout ça, c'est ce qu'il dit. Tout le monde fait une heure de muscu. Mais il y a un mec qui va venir un quart d'heure avant, qui va s'échauffer un peu ou travailler des trucs spécifiques. Et après son heure de muscu, il va s'étirer, il va bien s'alimenter, il va faire les bons soins. Et c'est ça qui fait la différence. Et il faut être aussi bien accompagné. C'est important, l'entourage. C'est très important, effectivement. Mm-hmm. Et d'ailleurs, alors, si je dois revenir un peu sur tout à l'heure, c'est vrai que l'entourage est super important. Parce que, comme j'ai dit, des fois, il y a des moments où on n'a plus envie, ou des moments où on doit prendre une décision qui est super importante. Et d'être entouré, alors que ce soit familialement, ou même par des mecs qui sont dans le club, mais en tout cas, d'être entouré. Une copine, mais exactement. Oui, bien sûr. Plusieurs. Dans ton cas. Mais non, c'est vachement important d'avoir une stabilité à côté. Ouais, puisqu'on parle de l'entourage, et après je donne la parole à Mathias. Tu es italien de par ton papa, en fait, qui est d'origine italienne, c'est ça?
Mes grands-parents sont nés en Italie. C'est ça. Et mon papa est né en France, par contre. Voilà. Et de... Attends. Et de l'autre côté, ta famille est malgache. Voilà, c'est ça. Alors, ma mère est métisse malgache. C'est ça. C'est très métissé sur ce plateau. C'est génial. Toi, t'es plutôt viking. Non, il est espagnol. Il est espagnol. Italie aussi, on est content. Et ouais, c'est un très beau plateau. Mathias, à toi. C'est quand même des belles histoires grenobloises. C'est propre à Grenoble aussi d'être capable de sortir des jeunes comme ça, Romain. Alors, pour connaître un peu les autres clubs, c'est vrai que Grenoble, et notamment ces dernières saisons, impulse et ont beaucoup misé sur les jeunes, la formation, et intègre. Là encore, ils ont été 6 ou 10 des espoirs à aller s'entraîner avec la première. Il y a une vraie confiance, il y a une vraie dynamique qui est mise dans ce sens-là. Et à mon sens, ce n'est pas parce que mon fils est à Grenoble ou que Grenoble est mon ancien club. C'était ton cas à l'époque des Mammouths aussi. Déjà, ouais, c'est vrai, mais ça se faisait plus général à mon époque. Bah, c'était le début. Mais je pense que Grenoble peut se démarquer grâce à ça, en faisant confiance. Parce que quand tu as passé une génération, là, Thibaut, ça fait depuis les cadets, ils sont tout un groupe. Si tu peux garder le groupe, après, tout le monde ne pourra pas monter. Mais cette génération-là, il y a une génération Crabos qui a été championne de France. Eh bien, tu crées des liens forts. Et si tu arrives à faire monter le plus possible en espoir, eh bien, ça va aussi faire la différence. Comme on disait tout à l'heure, les entraînements avant et après, eh bien, de connaître quelqu'un, un mec que tu connais depuis t'as 16, 15 ans et que tu te retrouves à 20, 25 ans, et ben, il y a des choses qui se font et sur le terrain, ça se ressent. Sûrement. On te souhaite tout le meilleur, évidemment, merci. Avec l'équipe d'Italie aussi, pourquoi pas. De toute façon, on va prendre les choses les unes après les autres, mais c'est un objectif de noter. C'est ça. Tu l'as écrit en vert. En vert. Alors, attends, en vert. Tu connais l'hymne italien déjà? Ouais, je le connais, mais non. Bon, ta première sélection, est-ce qu'elle va arriver? Avec l'Italie, tu reviendras quand même ici. Oui, hein, avec toi. Voilà. Aussi, vous reviendrez tous les deux. Moi aussi, on a des choses. Alors, je ne connais pas du coup. On va l'apprendre. On est là donc à l'occasion de cette soirée des Caps. On rappelle que c'était ce mardi soir, donc une bien belle cérémonie animée par Romain Magellan. Voilà, l'excellent Romain Magellan, un antidépresseur véritablement, avec donc une belle promo, une promo Vincent Clerc, la promo Vincent Clerc. Voilà, c'était une bien belle soirée. Bah effectivement, belle soirée, oui. de l'émotion, oui, de l'émotion, de l'humour. Oui. Non, mais c'est toujours un plaisant des rencontres. C'est ça. Et notamment pour des jeunes, parce que ça a été créé, je crois. Alors c'est Jackie Boutin qui s'en occupe, Jacques Boutin, ou je crois que c'est Jackie. Mais c'était l'initiative aussi de Fabrice Landreau. Oui. Et c'est vrai que dans un club, on en parlait, Grenoble est un club centenaire, et de faire ce lien entre les anciens, parce qu'il y a eu les champions de France 53, il y a la nouvelle génération, et ben de montrer à ces petits merdeux, comme je les appelle, leur maillot qu'ils portent tous les week-ends, et ben d'autres l'ont porté et montrer les valeurs. Et je pense que c'est important pour s'identifier un club. Mais alors, quand on arrive de l'étranger, exactement. Par exemple... Alors Ange, il est du cru, oui, j'allais dire. Oui. Il est de la région, on sait beaucoup. Mais Ostrikov arrive... qui arrive de Russie, voilà, par exemple. Voilà, il se dit, Grenoble, qu'est-ce que c'est et tout. Et ben, cette soirée, elle permet de mettre des noms sur des visages. Même moi, on remet des caps à des gens. Âme. Une âme. Ouais, voilà, c'est une âme. Et je trouve ça très beau et il y a vraiment des belles émotions dans cette soirée. Et malgré tout, moi je trouve que quand on est jeune, quand moi je vois des mecs qui jouent encore, comme Fabien Alexandre ou Lucas Dupont, et qui ont fait un nombre de matchs incalculable avec Grenoble, je trouve que c'est vachement motivant aussi d'avoir des exemples de mecs qui ont passé une carrière. Alors, il y a eu des fois où ils sont partis, c'est la vie d'un sportif, hein, mais en tout cas, ça, c'est motivant de se dire ouais, c'est possible et c'est beau surtout de passer une carrière dans un club, d'être proche de l'institution. C'est une institution en fait, hein, un club. Hein, donc, absolument. Et ils sont toujours là. On a une grosse pensée aussi pour Gilbert Brunat qui nous a quittés. Il a été rendu hier soir à Gilbert. On pense à lui avec beaucoup d'affection. Et à sa famille. Alors voilà donc pour cette cérémonie des Caps. Merci encore d'être venu d'ailleurs, Romain. Mathias, qui est un petit peu plus néophyte dans le milieu du rugby, connaissait Romain Magellan, mais il m'a dit au fait, il est né où, Romain? Alors nous, on est allé taper sur un moteur de recherche bien connu. C'est là qu'on se rend compte, Romain, que les choses ont évolué. Alors on regarde déjà ce qui arrive en premier, Compagne, Instagram. Alors voilà, Romain, donc tu es là.
On voit que tu es né à Besançon, donc, et on s'est dit oui, mais alors si on veut voir les photos, et c'est parti, on continue, mais qui c'est et on y va. Mais qui est-ce ? Et c'est parti. Elle est belle, dis donc. Mais elle est magnifique. Oh là là. Elle est vraiment magnifique. Ouais. Et du coup, alors, elle est partout. Vous êtes partout. Ça a changé les moteurs de recherche, c'est Romain, bizarre, dis ça, donc. Je comprends pas. Bah, oui, 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 oui. Donc bah, forcément, donc, quand vas-y. Ça change. Les choses changent. C'est une question ? Oui, oui, comme quoi, comme j'aime, quoi. J'aime pas trop parler de ma non, vie privée. Non, on n'est pas là pas non, pour non, ça, mais oui, alors là, c'est pas privé, on est sur Google. Et voilà, il n'y a que ça. Ouais. C'est quand même fou, hein, quand même. Bah, c'est dingue, hein. Non, mais forcément, c'est une personne publique, donc voilà, quand on se fait prendre en photo, bah, oui. Voilà, on se retrouve dans les tabloïds ou sur des... Partout, les réseaux. Ouais. Alors, les réseaux, on peut des aussi journaux partager. De plutôt bien, puis d'autres moins bien. Mais bon, ouais. Voilà, ça fait oui. partie... la chose. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs, oui. Ma chérie. Oui, exactement. Et c'est vrai que les choses changent. On voit quand même deux, trois petites photos de toi, enfant, voilà, toutes ces choses qu'on allait chercher sur les moteurs de recherche habituellement pour se renseigner sur toi. Mais ta page Wikipédia est quand même assez bien faite aussi. Voilà. Un coucou à ta maman aussi. Ah, ma maman, mon papa. Attends, à ta maman, ton papa, bien sûr. Mais avec des Antilles. Alors, je voulais remercier l'ensemble. On est reçus aux Antilles, non? On est bien pas sûr, Internet alors, est international. Alors, je dis bonjour à la communauté d'Outre-mer. Génial, Martinique. Allez, un dernier petit truc aussi, un dernier petit clin d'œil. Toujours animateur des Oscars du Midi Olympique. On ne va pas l'écouter, on va juste regarder et te voir, Romain. Alors, Ange, sache que notre petit doigt nous dit qu'il est possible qu'un jour tu sois consacré aussi sur une de ces soirées. Il dit oui, Romain. Donc voilà, on a un peu censuré à l'époque. C'était avec la brouse. Mon ami pour la vie. Et qu'est-ce qu'on a ri, mais qu'est-ce qu'on a pu rire, justement. Alors, on va peut-être monter le son, d'ailleurs. C'était sur... C'était avec Vincent Clair, justement. Vincent. Promo Vincent Clair, soirée des câbles. Voilà ce que vous avez fait pour Vincent. C'est pour ça que tu t'es barré. On a rigolé. Vincent revient, Vincent revient. Vous avez des enfants, vous avez une fille? Oui. Vous avez une fille, non, parce que... J'en ai plein, même deux. Comme Vincent, non, mais comme Vincent sort avec la fille du coach, je me suis dit, est-ce qu'il est venu là? Est-ce qu'il fréquentait votre fille déjà à 6 ans ou... Toi, Christian, j'avais une autre question. Est-ce que tu as une fille? Oui, pourquoi? Non, rien. Comme ça. Non, rien. Bravo, pour la petite histoire, ouais, oui. On se marrait avec Olivier et tout. Oui. On avait des gros moyens à l'époque. Non, c'est... non, mais Guinovès, il avait un peu tiqué hein, à la soirée. Mais ça s'était bien passé à la fin. Oui. Puis Vincent, lui, il est toujours adorable. Et ça de l'humour. Exactement. Comme on le disait. On se souvient ce que vous aviez fait à Lucas Dupont. Là, c'était un niveau. C'est pour ça, j'ai hâte. Voilà. Qu'il soit c'est le prochain toujours, Oscar. Je vais en parler. Range bien et surtout ferme bien ta porte. J'ai tout caché. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir fait l'amitié de cette visite ici. Revenez vite. Ange, belle saison à toi, belle merci carrière. Beaucoup. Et merci de ton état d'esprit. Romain, encore. Merci beaucoup. Merci, Mathias, et vous, à très vite. C'était G-Rugby avec Grenoble Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.